Je trouve vraiment la formation géniale. Parce que ça nous donne des stratégies comment convaincre nos électeurs. C'est un apport capital pour nous de battre la campagne et faire une bonne campagne pour une bonne victoire aussi. La recherche, l'identification, la communication et la mobilisation. Nous allons passer des messages politiques. Oui. Nous allons nous retrouver sur des terrains. Oui. Et il va falloir que nous puissions être efficaces sur le terrain, être justes et respecter l'autre surtout. Pendant cette formation, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons été outillés et surtout, principalement, et comment se faire positionner comme candidat sur la liste de nos partis. Et quelle approche il faut avoir avec les dirigeants de nos partis pour être positionnés sur la liste. La liste électorale pour qu'un jour je puisse défendre la cause des femmes. Les routes existantes sont en mauvais état. C'était par rapport à l'industrie de transformation, puisque c'est une zone de production de céréales. Oui. Et on se rend compte que après la récolte, les produits sont bradés à la limite. Et à un certain moment, il n'y a plus de produits au niveau du mouvement. Parce qu'on a constaté qu'il y a la non-opérationnalisation d'un centre qui n'est pas encore opérationnel. Donc ça pose un problème d'assainissement. La dernière formation, on nous avait dit, entre nous femmes dans les mêmes partis, il fallait d'abord se concerter. Et ce qui a été fait, nous sommes concertés. Et nous avons aussi mis en place une petite équipe pour voir les dirigeants provinciaux pour porter les différents candidats potentiels qui peuvent vraiment faire gagner les partis dans notre province. Et c'est ce que nous avons fait. Et le parti a tenu compte, mais pas tout à fait. Mais aujourd'hui, nous sommes tous amis et nous sommes contents. C'est maintenant que le travail a commencé. Vous avez 10 jours pour avoir la solution à vos problèmes. Je sollicite ta voix. Vraiment. Avec tout ton entourage. On est en campagne comme ça. Donc, je suis venue t'informer pour que tu puisses mobiliser les gens pour les élections. Je crois que dans le monde entier, là, oui, ça chauffe pas. Ah bon? Et nous prenons pour la paix. Mm-hmm. Et nous venons vraiment solliciter votre voix. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous aider? D'abord, il faut que nous remercions le NDL pour cette attention. Les participantes qui sont là vont exploiter à fond ce qu'elles ont appris. Nous espérons qu'elles vont amener à l'hémicycle la politique autrement. Merci. La politique empreinte de sensibilité féminine, de justice, et la politique qui s'occupe des défavorisés, des femmes et des enfants. Ces formations, nous les faisons maintenant, mais nous vous attendons en janvier certainement pour les formations des élus.